ce soir est tombée une grosse mise à jour qui corrige deux grosses failles de sécurité. Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Alors les amis, ce soir l'heure est grave. Apple vient de sortir la toute nouvelle version iOS 15.6.1. Pourquoi? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est vraiment ultra urgent de mettre votre iPhone à jour, de mettre votre Mac à jour et de mettre votre Apple Watch, votre Apple TV à jour, puisqu'une faille de sécurité a été exploitée. iOS 15.6.1 est sorti. Faites la mise à jour très rapidement si vous ne voulez pas que votre iPhone ou votre Mac, votre Apple TV ou votre Apple Watch fassent partie de cette faille de sécurité ultra importante. Écoutez, ça se passe maintenant. Magie automatique. Télécharger uniquement. Bouton. iOS 15.6.1. Apple Inc. Préparation de la mise à jour. Progression du téléchargement. 78%. Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et recommandés à tous les utilisateurs. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d'Apple, veuillez consulter la page suivante. Alors regardez ici, on est bien sur la version iOS. iOS 15.6.1. iOS est à jour. iOS 15.6.1. C'est vraiment urgent, c'est important, ça comble pas mal de failles de sécurité pour vos iPhones, pour vos Mac. N'hésitez surtout pas à aller voir donc dans réglages, général et mise à jour de votre iPhone. Et regardez donc, cette version se termine par 19D82, vous l'avez ici en gros sur votre écran. Alors on parle bien donc de la faille CVE qui touche actuellement donc le kernel de votre iPhone. Faites cette mise à jour, c'est vraiment ultra urgent. Donc cette faille CVE permet à des hackers de toucher donc au kernel, de toucher au noyau de votre iPhone et de prendre les privilèges de votre iPhone. Voilà pourquoi Apple a sorti de toute urgence cette version iOS 15.6.1. Cette faille CVE 2022-32894 permet donc à des pirates de pouvoir via du code prendre les privilèges de votre iPhone, d'exécuter du code. Ce soir iOS 15.6.1 corrige donc les deux plus grosses vulnérabilités d'iOS avec la faille CVE 222000-32894 qui va donc toucher le kernel, ce qui va donc toucher le noyau de vos appareils. Ce qui va permettre donc à des pirates d'exécuter en fait du code arbitraire et de prendre les privilèges de vos appareils, ce qui est vraiment ultra ultra important de mettre à jour vos appareils dès ce soir. Et pour cette deuxième brèche CVE qui porte le numéro 2022-32893, elle, cette brèche, celle-ci est concernée par WebKit et c'est là aussi à cette propriété de pouvoir donc exécuter du code arbitraire. Donc vous avez cette mise à jour pour corriger aussi sur macOS 12.5.1. N'hésitez pas donc à aller voir dans les préférences système et de vérifier si la mise à jour est présente pour vous actuellement. Voilà pour cette petite vidéo pour vous prévenir que c'est vraiment très urgent. N'hésitez pas donc à aller vérifier dans votre iPhone, réglages général et mise à jour, de faire cette mise à jour iOS 15.6.1 qui est vraiment ultra urgente pour la protection de vos données. N'hésitez pas à aller voir, il n'y a rien d'autre à part ces correctifs qui vont protéger vos appareils. Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre Apple Watch, sur votre Apple TV, sur votre iPhone et sur votre Mac. Ce soir, mise à jour, correctif de sécurité ultra urgent. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas donc à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision High Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous!